Monsieur Mohamed Al-Fayed est tout à fait déterminé à ce que la justice permette rapidement l'identification et la poursuite sur le plan pénal de ceux qu'il estime être les responsables de ce drame. Eh bien, ma foi, il y a toujours, ils ont peut-être un peu de sang sur les mains. Je pense personnellement qu'ils ne faisaient que leur travail et que je ne les place pas directement comme responsables, je les verrais plutôt comme acteurs d'un film qui les a malheureusement dépassés. Disons qu'une déontologie devrait peut-être s'instaurer, je suis photographe moi-même et des trucs je suis pas tout à fait d'accord, mais enfin, c'est pas moi le juge, je sais pas. L'accident de voiture, c'est pas eux qui l'ont causé directement, mais indirectement. Donc je dirais 50-50, je pense. Merci, bonne journée.